Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous voyez une tête par ici, c'est la tête du chéri, puisque nous sommes actuellement chez Mademoiselle Catherine du compte Sushi One Kenobi. Je mettrai son Instagram en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il casse tout ce petit chien. Hein. Ouais, pas dit qu'il passe entre les tables. Ainsi que son compte TikTok. Elle est assez présente sur TikTok. Elle fait notamment des POV, comme ça qu'on dit. Ouais, des POV, des POV. POV, voilà, genre point of view et tout. Je disais. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire. Parce que du coup, en gros, Alliance Magique m'a envoyé des carnets, les cahiers spiritualité ici. Donc, ils m'en ont envoyé plusieurs. Je vous les avais présentés sur Instagram. Et du coup, vous savez, c'est un peu les cahiers de vacances qu'on avait quand on était petit. Mais ici, du coup, évidemment, plus spiritualité. Donc là, en l'occurrence, j'ai celui du tarot qui a été fait par Lilith Tarot, qui a un compte Instagram aussi. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et j'avais très envie de faire des exercices en vidéo avec vous. Et du coup, comme nous sommes à Brest pour venir voir la petite Catherine, du coup, je me suis dit, ce serait cool qu'on fasse ça ensemble. Donc, on a choisi le tarot parce que c'est un sujet qui nous intéresse toutes les deux. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on va pas faire tout le cahier, je vous rassure. On va faire 2-3 exercices, il y a notamment des quiz. C'est vraiment super bien fait, en fait. Vous avez toute une partie... Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà. Alors, vous avez une partie, en fait, théorie. Et ensuite, après, vous avez... des exercices et vous avez les corrigés qui sont à la fin, juste là. Pour l'instant, on n'a fait que feuilleter le tarot et franchement, il est vachement vachement complet. On apprend vraiment beaucoup de choses. Genre, il y a même une partie où vous pouvez carrément en fait faire votre. Alors, c'est pas de thème astral, comment ils ont appelé ça? Ouais, la roue astrologique. En gros, vous pouvez faire votre roue astrologique avec, avec des cartes de tarot. On vous apprend aussi donc, du coup, à tirer les cartes, à associer des cartes et tout avec des sujets, etc. Il a l'air vraiment hyper complet. Donc, on va tester du coup 2-3 exercices. Et puis voilà, on verra bien du coup ce que ça donne. Je vous mettrai le lien du cahier en barre d'infos aussi directement sur le site d'Alliance Magique. Et après, sinon, vous pouvez tous les trouver sur leur site également, également en librairie aussi, si jamais ça vous intéresse. Donc, on va commencer. Vous avez les garçons aussi à côté qui font un cahier de vacances. C'est quoi? C'est Burger Quiz, c'est oui, ça ouais. Burger Quiz. Voilà. Juste là. Ah, je vous ai perdu la page. Non, c'est pas grave. Ah, bon, ça va. Juste là. Donc, s'il y a du bruit aussi, ça peut être eux également. Donc, nous, du coup, on va commencer par les arcanes majeures. Donc, il y a toute une partie sur les arcanes majeures. Voilà, juste là. Donc, il y a toute une partie théorique. Et ensuite, vous avez des exercices. Donc, on va commencer tout de suite. Relier les arcanes majeures à leur description. Donc, on a donc... Il n'y en a pas 22, là. Non. Non, elles ne sont pas toutes là. Donc, on a l'ermite. Ensuite, chercher l'intrus. Entourer les deux qualités qui définissent le mieux chaque arcane parmi les 3 propositions. L'ermite, il va mon ami avant de pouvoir. Et l'ermite, il va avant de pouvoir. Putain, on est tués. Ensuite, la grande prêtresse, la maître.
Ah, je suppose qu'on n'a pas comme besoin c'est un d'être poisson, optimiste, c'est non? vraiment dans les abysses. Ça, c'est un genre un poisson avec une Ouais, pour moi, c'est lumière ça. sur son front. Moi, je pense qu'il ressemble à Jean-Paul Roux. Ouais, ok. Nous, on a faux parce que nous, on l'a mis à les choses. Oui. Ok. Alors. Ah, c'est mon téléphone que tu m'as piqué. Oui. C'est Jean-Paul Roux dans Podium, tu sais. En pouvoir. Non, pas en pouvoir, mais en. François, Paul Naref. Ah, Paul Naref. Ensuite. C'est ça. Est-ce qu'il y a un poisson qui la lui ressemble justice, c'est... Il est important que je prenne le temps de peser pour le compte. Donc, non, ça en avait une. Après, c'est ça. Non, mais la A, ensuite, c'est le la diable, plus c'est. Bah, du coup, on est dans les abysses. Ma A, c'est la position dans cette relation. Le sans réponse, là, c'est la plus logique. Alors que nous, on avait mis. Avec les amours. Avec quelle les technique amoureux. De gamin utilise les arts, c'est pas grave. Le crache dessus, il retire la langue. Donc, c'est dans la position. Il va tout rapporter à la maîtresse. Ensuite, le soleil. Dessus, je dirais. Ou il leur tient la langue. Ah, tu vois, on avait raison. C'est sur la vision claire. Ah, ouais. En plein Covid en plus. La lune. Tu dirais laquelle? Comme ça, un des arbres. Des choses ne sont pas mon intuition. Ouais, c'est logique aussi. Parce que la lune, c'est le féminin. C'est débat, c'est l'arbre féminin aussi, c'est l'intuition. Si, parce qu'il parle peut-être du. Ou alors peut-être sur. Tu sais, il va peut-être. Mais je trouve que ça allait bien avec le nouveau ouais, comme genre oui, de, oui, bah ouais, carrément. Comme ouais. Ouais. Je pense pas. Non, je pense le que c'est pendu le bizarre, qui va dans changer de point de vue. La langue bleue. Moi j'avais raison, c'est ah, une question inversée. Mais ça marche, hein. Si ça fait des, tu vois, des trucs mnémotechniques. Ouais, on bah peut, ouais, on peut partir là-dessus. Hein. On part là-dessus. J'ai peur pas d'y faire pipi en fait. Je vais le sortir. J'irai le sortir après. Un moment qu'elle a vu. Mais après, tu voulais pas sortir pour acheter des bols aussi, toi? Bah si, mais je voulais finir ça quand même. Je sais pas bah où on est, en fait. T'as le temps? Quelle heure il est? 16h42. On fera une pause au pire et tu m'emmèneras à ton truc, là. Comment ça s'appelle? Les lutins? Ouais, c'est ça. Les lutins. Et ouais, si on voulait venir avec nous. Ouais, si on veut. Après, on reprendra au pire après. Hein. Mmh. Sur le profil. Alors, mignon, on était où du coup? J'ai perdu. On a fait le pendu. Le monde. Ah, le monde, c'est. Les choses sont arrivées à leur terme à cette situation et ne veux plus avancer. Ce qui peut marcher aussi, puisque le monde, ça tourne, ouais, la terre et tout. Donc ça peut marcher aussi. C'est ça aussi, ouais. Alors. Il y a assez. Ils entrelacent leur queue. C'est hyper intéressant. C'est. Dur quand même, par contre. Je pense que tu as raison sur les dessins vraiment. Ensuite, on a le fruit. Oui, c'est ça, gris. C'est une nouvelle étape. Les... Ouais, tu vois, de la vie commence. Ils entrent dans leur queue, mais peut-être même qu'ils font un gros câlin. Je sais pas. Non, ils entrent dans leur queue, elle est bien. La tour. Quelle est la particularité de l'araignée? Elle laisse l'araignée banane. Ah, la tour, c'est l'entour. C'est chaud, hein, mais j'arrive pas à savoir. Je crois que la tour, c'est l'entourage. Non, pour moi, c'est. Je retiens la puissance. Parce que ça se croise. La D, elle est. Ouais. C'est sûr, c'est. Oui, t'as raison, sinon ça se croiserait pas. Quelle est la particularité de ça n'a pas de sens. Donc, oui, c'est... je retiens ma puissance. Après, c'est vrai que la tour, elle est souvent en fait représentée en train d'être sur le point de s'effondrer. Ah oui, ouais. Donc, ça. Il est tout noir. Peut ah, faire écho. Comment faire, c'est lui. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Merde. T'as entendu pas parler. Pas d'autre. Ouais. Tout noir, en gros, même la viande. Merde. D'accord. Là, je l'ai fait au stylo rouge, je peux pas corriger. Quelle est la particularité? J'adore la bouffe. Et du coup, les amoureux, bah, c'est mon entourage est très important dans mon évolution. Je suis allée voir je dois reconsidérer certaines relations. Ouais, c'est logique, mais du coup, ils auraient dû mettre certaines relations peut-être en. Ouais, pour faire le plus. Et elle est invisible en plus. Elle est toute petite, elle fait 1 cm par 1 cm, ah ouais, ça passerait aussi dans moi. Non, c'est bon, mais c'est ça. Je peux tirer. Voilà. Alors. Ok. Bah, mais ça va, on a quand même de bonnes réponses, hein. Qu'est-ce qu'on avait juste aussi? Un machin dans l'annonce, c'est simple. Bah, oui. Nouvelle étape, on avait juste. La 2, c'est changer de point de vue, on avait juste. Mais bon. Ouais, franchement, ça va, hein. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé quand même. Ensuite. Chasser l'intrus. Donc on avait mis pour jugement, on avait mis inspiration, renouvellement. Non, on avait mis renouvellement trop sec. On avait renouvellement quand même, qui était bien. Okay. C'est plus après, jugement. Ta mais c'est plus justice alors. Mais ah peut-être, ouais. Mais c'est, pour moi, ouais, c'est logique. Mais du coup, c'est traître, quoi. Mais le magicien, on avait mis pouvoir possibilité et c'est agilité possibilité.
C'est vrai que le magicien, il est représenté des fois, tu vois, genre, t'as vu quoi, on le prend en l'air, et on prend en bas aussi pour rejoindre, en fait, pour lier ce qui est en haut et ce qui est en bas, ou agilité, pourquoi pas. Ouais, c'est vraiment un alien. Ensuite, hiérophante, on a les guides mentors. On avait raison. Ensuite, la roue de la fortune, on a les chances impermanence. On avait raison. Ensuite, impératrice, on a les structures responsabilité. C'est nature responsabilité. Alors, la 4. Ah, nature, je ne vois pas trop. La force, on a feu intérieur, maîtrise de soi. Tiens, c'est quoi, ça, c'est pareil. Tempérance, justice, communication. C'est communication, amour. C'est dur de trouver, ok. La mort, fin brutale, terreau fertile. Empereur, manipulation, vision. Ah, c'est organisation, vision. Il n'y avait même pas manipulation. Ok. C'est mignon. Chariot, avancé. Ouais. Et étoile, connexion divine, destinée. C'est destiné, être soi. C'est vrai que c'est on a bien réussi quand même, hein, pareil. Ouais. Mais non. On en a eu 5. Alors du coup, la lumière a peut-être un peu changé parce que nous sommes sortis sortir le sac à crottes qui me sert de chien. Et on est parti aussi acheter des souvenirs. Bref, not the point. Du coup, donc la lumière a peut-être un peu changé. Donc du coup, on a fait les exercices où on devait relier du coup les arcanes majeures à leur description pour apprendre un petit peu plus les arcanes majeures, etc. C'était intéressant, en plus on a bien réussi, franchement, ouais. Ensemble on s'est bien démerdé. Du coup là on va faire calculer votre lame de naissance, puisque il faut le savoir, vous avez en fait des fois des cartes de tarot qui sont associées en fait à vous, à votre jour de naissance, etc. Donc nous allons le calculer. Alors donc, pour trouver votre carte, il suffit d'additionner les chiffres de votre date de naissance et de chercher la carte correspondante. Ouais, en gros c'est de la numérologie. Mais avec les cartes de tarot. On additionne les chiffres de notre date de naissance. Ouais, genre par exemple, moi c'est 18-10-1996. Donc tu fais 1 plus 8 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 9 plus 6. Et ça va me donner un chiffre. Et en gros, de 1, si en gros c'est à plus de 22, il faut additionner les chiffres ensemble, ça me donne un chiffre. Et par contre, si c'est à moins de 22, dans ce cas-là, ça correspond à une carte. D'accord. Parce qu'il y a 22 cartes. On va commencer par toi ? Allez, c'est parti. On va regarder la carte. C'est Google déjà. J'ai pas l'habitude. La carte numéro 5. Carte de tarot. Et du coup, c'est notre carte de naissance. C'est ça. Et qu'est-ce que ça nous indique? Bah, c'est le pape, je vais vous dire. Ça, c'est le pape. C'est le pape. Moi, je suis un pape. Généralité du pape. Ah oh, putain, trop de pop-up. Représente un personnage assis. C'est une autorité morale qui enseigne les règles de vie à ses disciples. L'arcane, le pape, symbolise l'enseignant, le guide, le conseiller. C'est celui qui guide et conseille les autres. Le consultant est en position de conseiller ou bien il va chercher conseil. Le pape est une figure d'autorité et de hiérarchie. Il s'agit d'un maître bienveillant qui sait donner de bons conseils. Le pape est aussi une image du père qui élève ses enfants et qui leur apporte une bonne éducation. C'est un symbole de la vie de famille où les règles de conduite sont établies entre les membres. Il met les limites et donne les autorisations. Il est rassurant et traditionnel. Dans sa face sombre, le pape est une éducation trop stricte et rigide. Ce sont des règles morales trop serrées qui entravent le consultant. Ce sont de mauvais conseils et un problème avec les hiérarchies. Un problème avec les hiérarchies. Oui. Un problème sans patron. Surtout. Ok. Cette marque, c'est le 15. Carte, tarot, 15. Tu es le diable. Non. Alors. Donc il représente Lucifer, le porteur de lumière, celui qui va éclairer ce qui est caché. C'est un habile et profond thérapeute. Le diable révèle les secrets et les désirs, il exprime le monde des instincts. Le diable est une image des plaisirs charnels et des désirs en général. Le consultant vit sa sexualité de façon libérée, il accepte d'exprimer ses désirs et d'agir pour les réaliser. C'est un bon commerçant, il sait manier l'argent et a des capacités pour en obtenir. Son intelligence instinctive le conduit vers des résultats, des réussites matérielles. Dans sa face sombre, le diable est un manipulateur, un usurier et un faussaire. Il sait mentir et entraîner autrui pour son propre intérêt. Le diable se laisse mener par ses désirs sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Ça correspond pas. Je n'ai pas convaincu. Le 10, donc Jérém, c'est la roue de la fortune. Pouah, comme je suis très étonnée. Toi qui es ultra chanceux.
Le sphinx pose des questions que le singe prend en charge pour aller trouver la réponse. Le chien sacré remonte ses réponses vers le sphinx. Voilà. La roue elle-même symbolise le destin dans ses hauts et ses bas. Donc la carte est une image de la destinée que le consultant peut prendre en main afin de faire tourner la roue dans le sens qu'il souhaite. Elle représente aussi les aléas de l'existence, les événements qui arrivent avec leur lot de positifs et de négatifs. C'est un symbole des opportunités à saisir. Elle peut amener la bonne fortune aussi bien financière que sur d'autres plans. Mais elle reste centrée sur ce qui est essentiel pour le consultant. Représente également le centre de la personnalité et l'art de poursuivre ce qui est le plus important pour soi. C'est connaître ses désirs et possibilités pour les mettre en œuvre afin de réussir. Dans sa face sombre, la roue de fortune exprime les événements qui déroutent et que le consultant subit sans pouvoir intervenir sur eux. C'est aussi les difficultés financières et la perte de repères personnels. C'est enfin se poser trop de questions et trop mentaliser. Moi, je trouve qu'elle te ressemble quand même. Moi, du coup, je suis quoi? Je suis 8. Moi, c'est 8. L'étoile, je crois. Même pas. La justice. Vous serez étonné, je suis pas la justice. Je suis Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle dit? La justice symbolise la juste prise de décision et l'équilibre. C'est la capacité de décider de façon équitable. C'est une arcane qui représente l'ordre et la loi. Symbolise les contrats, les décisions légales, les hommes et femmes de loi, juges, avocats, notaires. C'est aussi les actes légaux, contrats, intérêts juridiques, mariages, ventes et achats, héritage. Symbolise la pause nécessaire pour prendre une décision de la façon la plus juste et harmonieuse. Ça me correspond totalement. Cette arcane est aussi une remise en ordre de sa vie, une action en vue de mettre plus d'harmonie dans son existence. La justice doit se rendre avec une certaine délicatesse et une ouverture de cœur, d'où sa représentation par une femme. C'est extrêmement sexiste. C'est aussi l'image d'un esprit sérieux et rigoureux. Dans sa face sombre, l'arcane de la justice est un arrêt, un blocage, une décision judiciaire à l'encontre du consultant ou de ses proches. C'est un excès de recherche de perfection et d'absolu qui entrave toute action du consultant. C'est pas mal du tout ça. Non mais si, ça me correspond très bien, la justice. Mais je le savais, je crois que je l'avais déjà vu, que ça correspondait au signe de la balance et tout. Bon, le cadre a totalement changé, c'est tout à fait normal. Quand on a tourné la vidéo, à un moment donné, mon téléphone n'avait plus de place. Donc du coup, le reste de la vidéo n'a pas été filmé. That's life. Du coup, je vous fais juste un petit débrief pour ces petits cahiers spiritualité, donc des éditions Alliance Magique. Celui de l'année dernière, j'avais pris celui de la lithothérapie et du coup, vous le retrouvez dans l'édition de cette année. Vous avez également l'intuition, le féminin sacré, le tarot et les runes. On a aussi du coup testé le tarot, si je dis pas de bêtises. Pour en fait tout un tas de petits exercices, notamment des quiz. Du coup, ces petits cahiers spiritualité, et ils sont à 6,95€, donc disponibles sur le site internet d'Alliance Magique, que je vous mettrai en barre de description si jamais ça vous intéresse. Je les trouve vraiment super sympas, c'est hyper ludique en fait, pour apprendre tout un tas de sujets différents. Par exemple, pour l'astrologie, je trouve que c'est vraiment une bonne manière de débuter et de vraiment commencer à comprendre. Vous voyez, par exemple, vous avez des mots croisés, etc. Du coup, je trouve ça vachement bien fait, hyper ludique. C'est vraiment juste une introduction sur des sujets pour vraiment vous pousser peut-être à vous intéresser un petit peu plus et à aller plus loin. Mais je trouve ça vachement hyper intéressant. Par exemple, pour l'astrologie, ils abordent le thème de la planète, de Lilith, qui est la lune noire, qu'on utilise en astrologie. Et c'est vrai que je me suis toujours demandé en fait à quoi elle servait, ce qu'elle pouvait représenter, etc. Du coup, j'ai hâte de me repencher davantage là-dessus, puisque je repars en vacances et je les emmène, évidemment. En tout cas, je vous les conseille vraiment grandement. Ils sont vraiment super top à faire et on a passé un super moment avec Catherine et son copain, ainsi que le mien, à faire 2-3 exercices. C'était vraiment, vraiment super sympa. Donc voilà, je vous les conseille grandement. Ils sont vraiment à petit prix. Ça peut être vraiment une manière pour vous de travailler votre spiritualité, même en vacances. Voilà. Bref, du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu différente de ce que j'ai fait d'habitude, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous mets en barre de description tous les liens des réseaux sociaux de Catherine, donc que ce soit son Instagram, sa boutique en ligne et aussi également son compte TikTok où elle fait ce qu'on appelle des POV, donc des point of view, donc des petits actings, etc. Moi, du coup, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.